Bonjour, mon nom est Grégory Blanc. J'espère que le confinement se passe toujours bien. Bienvenue à la Minute Mentor. Minute qui aujourd'hui sera consacrée au Magnetic Chip Detector, donc des composants qui vont nous aider à détecter des particules ferromagnétiques dans un système. Au niveau des turbines en aéronautique, c'est principalement au niveau du système de lubrification qu'on va retrouver ces items-là. Le principe de fonctionnement est plutôt simple. On va avoir des sondes, des probes, installées à certains endroits névralgiques, stratégiques, dans la turbine, très souvent les points les plus bas. Et donc, ces sondes-là vont nous permettre, puisqu'elles sont magnétisées au bout, vont nous permettre de détecter la présence de particules ferromagnétiques dans notre turbine. Et il y a deux façons physiques de le faire, de le vérifier. On peut le faire donc manuellement avec ce qu'on a ici, un bayonet type. Donc, on va aller défaire la sonde et l'inspecter physiquement, voir s'il y a présence de particules à l'embout. Sinon, on peut avoir même principe de fonctionnement, mais on peut avoir cet embout-là, cette probe-là, cette sonde-là, voilà, branchée sur un système électrique, tout simplement. Donc, éventuellement, il va y avoir une petite lumière qui pourrait s'allumer dans le cockpit, qui va nous dire que le circuit, hein, ici, que le circuit est fermé. Donc, il y a assez de particules magnétiques, ferromagnétiques, pour que les deux probes ici là, se touchent et on vient fermer le circuit électrique, donc le système électrique de base, voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. Laissez-moi vos questions, suggestions. Et là-dessus, on garde le focus, hein? Soyez bons et gardez le sourire.